Moi, ça m'amène de faire une transition. C'est une transition parfaite pour parler de concepts qui, moi, me tiennent à cœur, même si ça peut paraître un peu éthéré, un peu comme ça, mais c'est la liberté, par exemple, en matière d'alcool. Qu'un alcool soit libre, libre d'aller où il veut, libre de nous laisser voyager. Vous voyez, c'est ça. Il faut qu'un whisky, il faut qu'on voyage. Il faut qu'un whisky nous emmène quelque part. Il faut qu'on accepte d'être emmené. Il faut qu'on l'apprivoise pour tirer tout ce qu'il peut nous donner. Les plus grands whisky, il y a toujours une réserve d'entrée. Quelques-uns, c'est immédiat, mais beaucoup, ben, faut faire connaissance. Hein, c'est la rencontre, c'est-à-dire qu'il y a des whiskies qui sont sur la réserve. On ne voit qu'une seule partie du whisky quand on le goûte la première fois. À l'aération, une fois que la bouteille se vide, ben, il prend l'air, il se met en place, il s'ouvre. Et puis on commence à avoir fait connaissance, on commence à avoir compris un peu les tenants, les aboutissants. Et les plus grands d'entre eux, ben, plus on le déguste, plus ils nous proposent de choses, plus ils nous surprennent. Et ça, c'est formidable, quoi, que des gens arrivant ici nous disant, ah, t'as vu, à partir de la seconde moitié de bouteille, votre whisky, c'était merveilleux. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça veut dire que il a tenu en haleine la personne pendant tout ce temps-là, si vous voulez, et sans le décevoir. Pour vous donner une anecdote, quand j'ai fait le commentaire de ce Dalmore 1990, c'est un Dalmore qu'avec Salvatore, on l'a sélectionné il y a 2 ans à la distillerie. On a goûté plein de fûts dans les chais, et le premier fût nous a subjugués. Donc on l'a acheté. Et j'ai fait le commentaire 1 an et demi plus tard sur une fiole où il restait ça dedans. Autant dire que la plupart des whiskies, en règle générale, si peu dans une fiole avec l'air qui perd dedans, il n'y a plus rien. Là, c'était que du plaisir. Toutes les entraves, tout avait volé en éclats. Et le whisky s'ouvrait et se proposait, mais de façon incroyable. J'ai remarqué aussi une chose qu'il m'arrivait souvent de faire des commentaires de dégustation sur des échantillons ouverts déjà depuis un petit moment, un mois par exemple, 15 jours, 3 semaines. Quand vous ouvrez une bouteille de whisky, il y a des parfums qui sont là, des goûts qui sont là, qui vont être là au début, et vous ne les retrouverez plus jamais. J'ai toujours en anecdote, c'était de Radour Sherry Cask que nous avions sélectionné à la distillerie, où dans mon commentaire de dégustation, à aucun moment, il est fait mention d'épices. J'ai toujours en anecdote, c'était de Radour Sherry Cask que nous avions sélectionné à la distillerie, où dans mon commentaire de dégustation, à aucun moment, il est fait mention d'épices. Un jour, on ouvre une bouteille ici de ce whisky. C'était que du clou de girofle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu ça? Et en fait, j'ai compris que j'avais fait le commentaire. Parce que 15 jours plus tard, en regoûtant cette bouteille, il n'y avait plus d'épices. C'était du toffee, du caramel, du beurre salé, des choses comme ça. Un mois plus tard, on était sur une tarte aux fruits rouges, aux fruits noirs. C'était exactement mon commentaire de dégustation. Ben, j'avais fait le commentaire sur une bouteille ouverte depuis déjà un mois. Et donc, toutes les épices présentes au début étaient parties. C'était normal que je me dis, mais quand même, bon, ton palais, ça va plus du tout. Faut quand même faire quelque chose. Ben non, vous voyez, donc. Et ça, c'est important. C'est ce que j'appelle un whisky vivant, qui bouge dans le temps. Beaucoup de whisky, malheureusement, sont standardisés et ben, vous avez tout qui est inscrit au départ. Et puis c'est toujours pareil. Ce qui veut dire, c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc, il ne faut pas s'ennuyer. Enfin, moi, c'est un concept que j'ai. Il faut avoir la diversité. On a la chance de travailler dans un domaine, sur un alcool, où il y a une diversité telle qu'on n'en fera jamais le tour. Donc, autant aller explorer toute cette diversité. Les champs d'action les plus loin possibles, quoi. Mais c'est ça, c'est le souffle. Et puis la poésie meurt après c'est autre chose. Au revoir.